Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, et nous venons de passer une journée avec un tout nouveau modèle de Triumph, la Trident. Trident, c'est un nom qui évoque plein de choses pour Triumph. C'était le nom du premier modèle qu'ils ont produit avec un moteur tricylindre. Et cette moto est bien sûr aussi une moto avec un moteur tricylindre, mais c'est totalement autre chose. Aujourd'hui, on n'a pas un exercice qui voudrait plonger dans la nostalgie, qui voudrait nous présenter une néo-rétro, non. C'est une moto moderne, contemporaine, qui s'adresse à un marché très différent. Et nous avons pu l'essayer sur environ 150 km en faisant le tour du fameux volcan de Tenerife, en faisant quelques passages sur autoroute et aussi en passant dans différents villages. La première chose qui nous a frappé, c'est que cette moto, elle représente une nouvelle aventure pour Triumph. C'est la première Triumph moderne qui se situe dans le segment qu'on pourrait appeler des roadsters de moyenne cylindrée qui ont un prix abordable. Qu'est-ce que ça veut dire abordable? Ça veut dire que pour moins de 9000 francs, on a une moto qui va chasser sur les terres de, par exemple, la Yamaha MT-07. La MT-07 qui, depuis des années en Suisse et ailleurs, est l'un des best-sellers absolus des ventes de tous les modèles de moto. Alors, on ne sait pas quel va être le succès réel de cette nouvelle Trident, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que quand on fait sa connaissance, on est charmé par sa sonorité. Ce moteur 3 cylindres, il a un très beau son. C'est un son qui est plein, qui est vivant, qui est organique, qui ne vous casse pas les oreilles et qui vous accompagne en fait dans toutes vos aventures motocyclistes. Et puis l'autre chose qui frappe, c'est la qualité de fabrication, parce que c'est bien sûr une Triumph, mais elle n'a pas grand-chose à envier à ses grandes sœurs, au Street Triple, même au Speed Triple. Alors certes, les suspensions, les freins sont une catégorie en dessous, ça c'est normal, c'est une moto qui est moins chère. Mais la qualité de fabrication des pièces en métal, des carters, des caches en plastique, de l'écran, petit écran TFT, LCD, tout ça respire la qualité. Et ça, c'est déjà une première expérience positive qui vient compléter celle de la sonorité du moteur. Et puis la deuxième chose, absolument évidente au bout de juste quelques kilomètres à son guidon, c'est que cette moto, elle est amusante, elle est fun, elle est plaisante, elle est faite pour qu'on puisse s'amuser en roulant. Alors d'abord, elle est légère, elle fait 189 kg avec les pleins, ce qui la place effectivement au même niveau qu'une Yamaha MT-07 à peu de choses près. Et puis elle est facile, elle est agile, elle permet en fait de passer d'un virage à l'autre en toute décontraction. On peut choisir ses trajectoires à peu près comme on veut, on peut les corriger au dernier moment avec une grande facilité. Et puis le moteur est une aide aussi dans ce domaine parce qu'il, alors c'est un peu un cliché mais c'est vrai, le triple il a un peu les avantages du bicylindre, c'est-à-dire qu'il est rempli à bas régime, il pousse bien. Et puis il a aussi les avantages du 4 cylindres, c'est-à-dire qu'il est souple à bas régime, plus souple qu'un bicylindre, puis qu'il peut monter assez haut dans les tours. Ce moteur 3 cylindres, il est dérivé lointainement de celui de la Street Triple, une version de la Street Triple qui avait 660 cm3. Mais il est un peu différent, c'est-à-dire qu'il a été retravaillé pour qu'on ait plus de couple, plus d'accélération au bas et au mi-régime. Donc le moteur est un peu moins sportif. Mais sur la route, il est tout aussi plaisant. En fait, on peut accélérer fortement en deuxième, en troisième, en quatrième rapport. Et puis on peut aussi rouler sur autoroute sans que ça soit gênant au niveau du régime du moteur ou des vibrations ou de la sonorité. La Triumph Trident, c'est aussi une moto qui a plein de qualités, on va dire, de facilité, d'accès. Alors à part le prix, il y a le fait qu'elle a un châssis qui est très sain et des pneus qui sont de qualité, des Pilot Road. Déjà cette combinaison permet effectivement d'avoir très vite confiance et de sentir très vite quelles sont les conditions exactes de la route sous les pneus. Et puis elle a aussi un moteur qui est assez facile, on l'a dit, qui permet en fait de reprendre un peu à tous les rapports. Pour ce qui est des suspensions et des freins, le tableau est peut-être un peu moins parfait. On a un amortisseur arrière à qui on pourrait éventuellement reprocher d'être un peu ferme quand on roule vite. Sur l'autoroute, par exemple, on sent assez bien toutes les bosses qui passent sous les roues. Et puis le frein, en tout cas les étriers avant, ils manquent un peu de précision. Donc ça n'a pas la précision chirurgicale qu'on pourrait trouver sur des freins d'une vraie moto sportive.
Mais il n'empêche que cette moto, elle est quand même assez rassurante. Elle permet de rouler à une vitesse et à un rythme vraiment soutenu. Parce que quand on fait des erreurs, la moto vous le fait savoir, mais elle ne le fait pas de manière définitive et vous pouvez toujours rattraper la situation. La Triumph Trident arrivera en Suisse au mois de février, aux environs de mi-février 2021. On l'a dit, son prix sera 8 990 francs, à partir de 8 990 francs. Triumph a aussi prévu tout un catalogue d'accessoires intéressants, qui sont soit esthétiques, soit fonctionnels. Parmi les accessoires esthétiques, il y a par exemple des petits rétroviseurs ronds. Il y a aussi différentes parties en fait taillées dans la masse. Et puis parmi les choses plus fonctionnelles, plus pratiques, on aura par exemple une sacoche de réservoir, une sacoche de selle et surtout, enfin deux choses qui sont vraiment très utiles pour une moto de ce genre, un quick shifter up and down et des poignées chauffantes. Nous avons pu tester les poignées chauffantes. Ça va très bien quand il fait froid, il faisait dans les 10 degrés, ça chauffe bien les mains. Et puis il y a une dernière chose qui fera partie du rayon des accessoires, qui viendra compléter les fonctionnalités du nouveau tableau de bord, un tableau de bord rond qui mélange un écran LCD et un écran TFT en couleur. C'est un module Bluetooth pour la connectivité. Donc cette moto, avec ce module Bluetooth, sera capable, connecté à un casque, à un intercom, de vous faire de la navigation point par point, de vous faire passer votre playlist et vous pourrez changer de morceau de musique. Et même, ça c'est une exclusivité chez Triumph, de prendre les commandes de votre GoPro qui sera placée sur la moto ou sur votre casque. La conclusion, c'est que la nouvelle Trident, eh bien, c'est une moto qui devrait vraiment avoir un grand succès en Europe et en Suisse. Et on espère juste que Triumph va en commander assez pour le marché pour la première année.